La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche un sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal pas. Branchez et fait l'autre monde branché sur YouTube, live ou en replay. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons aujourd'hui encore pour nous capables de continuer avec l'émission. Nous comptons pour nous saluer chaque frère nous, ce nous, capitaine de nous, et quel que soit côté dans le monde là, nous saluons dans le ça, et nous saluons Pasteur Raymond, Jean-Louis, avec toute l'équipe lui, qui a travaillé dans la radio, nous saluons tout internaute, et capitaine de nous dans le moment ça, que bon Dieu est capable d'aider nous, que bon Dieu est capable de guider nous, conduire nous, et dans le ça, côté nous attendons des émissions ça. Dieu Tout-Puissant, Éternel, notre Dieu, nous bénissons, nous remercions, Seigneur, pour grâce ou pour faveur. Bénédiction, parce que vous permettez que encore aujourd'hui, nous tournons pour nous capables de continuer avec l'émission. Nous demandons, Seigneur, assistez-nous, bénissons, grâce ou, et qu'on sache chaque auditeur, auditrice, qui a bien pour tendre, Seigneur, nous demandons, vous capables avec vous. Et on va bénir radio, télé, et la Victoire depuis en République Dominicaine. On va bénir l'équipe li, Pasteur Raymond Jean-Louis, et avec tout le monde qui travaille avec lui. N'a mando avec nous au nom de Jésus. Et je dis un sujet que nous voulons parler. Nous voulons parler de l'oreille de Christ. N'a appuyé nous avec texte Matthieu chapitre 6, verset 10. 10, côté Jésus, pendant que lui t'a parlé avec disciples. De loin, il t'a regardé que prière ou bien comment attitude monde. Il y a une prière, il devait délivrer message ça et fait tout le monde connaît très bientôt l'aller là bien pour le tourner pour venir établir royaume li pour venir régner et bien normalement sur la terre. Et comme ça, il était fait déclaration ça dans Matthieu chapitre 6, le verset 10 pour dire que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Eh bien, normalement, nous voulons parler du règne de Christ avec ou dans le moment ça. Et puis, thème ça que nous voulons montrer, c'est nous voulons montrer que l'Église, là, le prochain règne de 1000 ans de Christ sur la terre, d'une façon littérale, ça veut dire que c'est pour un bagage symbolique, mais Jésus, eh bien, normalement, il est pour tourner, la tourner, venir chercher l'Église là, après ça, il peut aller avec l'Église là. Et la bien pour retourner encore dans la deuxième phase retour li, et côté pour venir établir réelli sous la terre. Et bien c'est une façon, c'est une littéral et une réalité doctrinale. Et bien normalement que la Bible les parle nous et que nous-mêmes et Jean texte a dit dans Matthieu que moun kap li ou de faire attention, et bien nous-mêmes nous de faire en pile attention avec question le règne de Christ, et bien qu'il dit que ton règne vienne. Et quand Christ dit que ton règne vienne, eh bien, qui première requête que Jésus, ça c'est première requête, que Jésus, en tant que fondateur, l'Église là, t'est normalement recommandé à disciples et à chrétiens, et nous tous qui chrétiens un peu partout dans le monde, eh bien, normalement, il était recommandé nous ça. Il dit recommandation ça, il va laisser nous croire que Jésus a gagné. Yon prochain laisse nous croire que Jésus a bien un prochain règne. Eh bien normalement règne ça li poko gen lieu, ça veut dire que Jésus poko roi, Jean en pile mon habitué dire Jésus roi des rois, Seigneur des seigneurs. Eh bien selon la Bible, la parole de Dieu, eh bien normalement nous capable dire que eh bien d'après explication, d'après normalement interprétation thème ça texte ça, eh bien normalement il veut montrer nous Jésus vient très bientôt pour capable venir régner sur la terre Jean Apocalypse dit là, mais il montre que eh bien règne ça li poko gen lieu, eh bien préparation l'a fait dans sens ça. Et ça nous voulons faut comprendre, et non seulement il dit que ton règne vienne, et l'ajouter sur dans requête là, ça continue de requête là pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que même Jean volonté bon Dieu Jésus-Christ fait dans ciel là, et bien très bientôt
volonté l'a bien pour une fête sous la terre. Eh bien, c'est annoncé, l'a annoncé, eh bien, normalement, que rey, Jean rey dans le ciel là, c'est comme ça tout l'a bien, il y a tant qu'à venir pour le rayer sous la terre, volonté l'a fête, même Jean, il fête dans le ciel là, l'a fête sous terre à tout. Eh bien, c'est suite aux requêtes là, que le Seigneur te baille, eh bien, normalement, non seulement à disciples, mais il baille avec tous les chrétiens, eh bien, tous les croyants en Christ, eh bien, tout le monde qui repentit, eh bien, normalement, requête ça adressé à vous-même pour permettre que vous connaissez que Jésus gagne très bientôt, il gagne, pour venir régner, eh bien, normalement, sur la terre, volonté, il gagne pour le fait, même si on le fait dans ciel là, il gagne pour le fait, sous terre à tout. Li ajouté pour dire que précision, avec précision, sur la terre, comme au ciel. Ça veut dire que même Jean li fait dans le ciel là, la bien pour le fait sous la terre tout. Ça veut dire ça apprend moins que le règne de Dieu, eh bien, li éternellement, vous voyez ça, éternellement, il y a un lieu dans le ciel là. Eh bien, li pral gen lieu tout, eh bien, sous terre, même Jean dit dans le ciel là. C'est ça, eh bien, normalement, Jésus te vle. Et normalement, tu voulais faire disciples qu'on est et tous les chrétiens, etc., pour faire bien saisir ça. Par exemple, si nous avons posé la question, ça, Ré Christ sur terre là, est-ce qu'il a déjà lieu? Oui, ça, eh bien, il y a des gens qui pensent que Ré a déjà lieu, déjà. Non, nous dit non, eh bien, Ré ça, l'hypoco encore lieu. Mais c'est un rêve qui est réel, ça veut dire très bientôt la bien pour gain lieu. Qui le rêve ça? Ouais ça qui le rêve ça a bien lieu. Et bien rêve ça la bien lieu, c'est le Jésus-Christ retourner dans deuxième phase retour glorieux là. Côté la Bible dit que dans Apocalypse 1er verset 7 là, il dit tout est lu verra. Et bien tout est lu verra, ça veut dire que et bien lorsque la bien pour venir. Et bien dans première phase là, eh bien, il montre que c'est l'Église là, c'est les morts en Christ, hein, selon 2 Thessaloniciens, il est mort en Christ par rien pour eux. Normalement, ressuscité, les vivants a changé, etc. Vous ça? Eh bien, ils vont aller rencontrer Christ dans les airs. Et ça, c'est la première phase dans le retour Christ. Cependant, il dit, eh bien, Rey Christ n'a pas gagné lieu, c'est dans la deuxième phase, retour glorieux là. Ça veut dire, pendant, selon Zacharie, chapitre 14, verset 4, il dit que Pierre va le poser sur la montagne des Oliviers. Est-ce que vous voyez? Sur la montagne des Oliviers. Et pendant Jésus a descendu, sorti en l'air, l'a accompagné avec l'Église là. Selon Apocalypse, à Zacharie, chapitre 14, verset 5, et il montre que verset 4 là dit, puis il a posé et normalement sous montagne des Oliviers. Et verset 5, il montre que accompagné des saints, ça veut dire l'Église a accompagné, et bien normalement Jésus-Christ, et il sera vu de tous. Et bien tout le monde a bien pour Yoel dans la deuxième phase retour. Et c'est ça, dans Apocalypse 1er, verset 7 là dit, tout est le verra, même ceux qui l'ont percé. Voilà. Ça veut dire que c'est le Sahara, eh bien, réécrissant l'a bien lieu dans ce sens-là. Nous disons qui le, nous sommes qui le, c'est qui rôle Jésus dans le royaume. Ça. Selon Apocalypse 19, verset 16, il dit Jésus sera roi des rois de ce royaume. Ça veut dire que, eh bien, normalement, nous capables de dire de fait, Jésus est roi des rois, mais de droit, il est beaucoup roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Ça veut dire qu'il a gagné pour le roi des rois, parce que le ça, après Jésus, qui a régné comme roi, pas gagné roi, mais je dis à gagné, ou capable d'aller en anglais, toi, nous sommes jeunes princes, etc. Nous sommes jeunes présidents, jeunes gouverneurs, etc. Maintenant, le Jésus qui a gagné pour régner, c'est lui-même seul qui a roi sur toute la terre. Et c'est ça que fait Odin, qui a dit de fait, mais de droit, eh bien, Jésus, pour qu'au roi des rois, Seigneur des Seigneurs. C'est ça dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 16, il montre que. On dit qui côté royaume ça situé. Eh bien, Jérémie 23, verset 5, Luc 1er, le verset 32, les bails côté royaume non, a gagné pour a gagné lieu.
Et nous dit c'est très important. Qui dure le royaume ça? Parce que si royaume non commencé on le, il y a un leader, il y a un côté établi, c'est qui dure. Eh bien, normalement, selon le premier verset 33, Daniel 2, verset 44, d'après, c'est un royaume qui a duré éternellement par rapport avec temps. Eh bien, Daniel t'a fait déclaration ça. Donc, ça, nous dit lors de ce règne, où sera l'église? C'est qui côté l'église là à pied? Et est-ce que, bon, d'ailleurs, nous déjà montré, eh bien, là, Jésus-Christ a sorti dans ciel là, eh bien, normalement, l'église à les saints a pas accompagné Jésus. Eh bien, nous sommes capables de continuer à répondre pour nous dire, selon Jean 14, verset 1 à 3, il dit que côté le Seigneur y a, c'est là nous voyons. Eh bien, côté Jésus y est, eh bien, c'est là l'église a pillé tout. Ainsi, selon Apocalypse, Zacharie 14, verset 5 et Jude 14, l'église a, en tant qu'épouse Jésus-Christ, eh bien, l'a dans le royaume non, ensemble avec Jésus-Christ. C'est très important. Nous disons au cours de ce règne, qui côté Israël à pied. Ça veut dire c'est ça que fait nous pas vle en pile monde qui dit c'est Israël par la foi, c'est bêtise a dit. Ouais ça? Ça veut dire que ouais l'église là qui composée de tous les croyants de toutes les nations, tout peuple etc., toute langue, cependant Israël lui-même ouais là, eh bien il pas pral normalement fait partie de l'église à non sens. Ouais ça? Mais tout Israël jodien qui a accepté Christ, il a fait partie de l'église. Mais tout Israël qui a bien pour rete yo, la Bible dit que Israël ça c'est qui côté yo. Nous dit au cours de ce règne, selon Matthieu 23 verset 39, eh bien normalement c'est le ça pral li pral accompli, son accomplissement. Ouais ça? La dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La prophétie de Zacharie 12 verset 10 sera accomplie en Romains 11 verset 25. Israël se convertiront et seront tous sauvés selon Romains 9 verset 27 et chapitre 11 verset 26 en jouissant les bénédictions du royaume selon les promesses faites à eux par Dieu en Jérémie 31 verset 31 à 40. Alors ça combinera la déclaration de Jésus en Matthieu 5 verset 17 qui montre que mon train de la loi on train pas déplacer dans la loi autant de fois etc. Il pas venir pour l'abolir la loi mais il vient pour l'accomplir. Et bien c'est là où elle va gagner dans le règne millénaire, là bien pour reprendre le sabbat et bien sur toutes les nations. Et bien c'est là, c'est ça ça déclaration ça, il pas venir pour l'abolir mais il vient pour l'accomplir. Et maintenant, ça que nous prenons là, nous, qui raison, quelles sont les raisons pour lesquelles le Seigneur reviendra et établit son royaume? Ça veut dire que quand Jésus a bien pour retourner, eh bien, normalement, il y a des raisons bien déterminées que l'a tourné. Et nous dit, sachant que Jésus n'avait pas corrigé le verbe rétablir, employé par les disciples, qui n'emploie pas le verbe établir. En Actes chapitre 1, verset 6 et 8, il reviendra pour rétablir le royaume d'Israël. C'est pourquoi il reviendra en roi selon Apocalypse, chapitre 19, le verset 16. Et petit b nous dit pour le rétablissement de toutes choses. Vous voyez ça, c'est deuxième raison pour le rétablissement de toutes choses selon Matthieu, chapitre 19, le verset 28. Et pour le rétablissement complet, toute baganette, Luc chapitre 1, verset 32 et 33. Vous voyez ça? Nous dit, enfin, à la fin de la grande tribulation, à la première trompette, le Seigneur entrera dans son règne, selon Apocalypse 11, le verset 15. Ainsi, prendra fin la requête que le Seigneur recommande à l'Église, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que, eh bien, c'est là nous parlons, eh bien, normalement, requête ça que Jésus a fait dans Matthieu, chapitre, normalement, 6 là, le verset 10 là, eh bien, c'est là nous parlons, requête ça, la prend fin, que Jésus a bien voulu rentrer dans le règne, côté, il va le passer, il y a un bon temps, eh bien, normalement, il va régner sous la terre. Et comme ça, Jean, volonté le fait dans celle-là, eh bien, c'est comme ça tout. Eh bien, volonté la bien pour le faire sous terre. Voilà, eh bien, requête là, explication de requête ça, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, merci parce que tu as attendu nous. Nous croyons que question yo, et normalement, on va multiplier yo.
et pour nous n'a répondu et bien toutefois ça et bien normalement rendre possible. Merci et que bon Dieu bénisse nous.